Et salut tout le monde, c'est Malorus2 et aujourd'hui on se retrouve sur XME Server comme c'est écrit au-dessus. Pourquoi nous nous retrouvons donc sur XME Server un peu bizarre, du moins voilà, c'est bizarre, c'est différent d'avant, c'est bon. Alors suite à la vidéo que j'ai fait récemment, vu que j'ai eu peu de commentaires, mais quelques personnes en privé qui m'ont envoyé des messages, j'ai décidé de partir sur du fun et free PVP. C'est un très gros changement, c'est bien une première depuis 3 ans que le serveur passe en fun free PVP. Pour donc les deux raisons suivantes. La première raison, c'est essayer d'avoir une communauté qui se connecte de temps à autre et fréquemment, du moins de temps à autre. Qu'il y ait plus de joueurs qui puissent se connecter juste pour jouer une petite heure, une demi-heure, juste comme ça, sans parler de rester toujours connecté pour faire de la survie pendant 4 heures. Donc voilà, la nuit tombe peu à peu, on voit le spawn de nuit qui rend pas trop mal vu que j'ai pas fini. Donc en fait mon but principal de la vidéo, oui, c'est vous présenter ma construction en cours, et deuxièmement c'est surtout vous permettre d'apprendre quelques commandes en général. Donc à chaque partie intéressante ou changement ou vraiment où j'ai rien fait encore et je change un coup, surtout au niveau commande word edit, je re-recorderai. Donc ça va faire pas mal de petites coupures normalement dans la petite vidéo. Hop. Pour pouvoir vous redonner à nouveau la possibilité de connaître quelques commandes voire des bits. Donc on peut voir que là il manque quand même énormément d'éclairage, c'est un peu fade hein. Dans les petites mares là il va pas y avoir les deux fontaines symétriques, mais je pense mettre d'autres choses. On verra bien. On aura donc le lobby qui est là, évidemment le centre. Pas trop mal éclairé, là on va faire un peu de végétation pour que ça fasse plus propre. On va faire sûrement des petits îlots séparateurs là, là, sur toute la bordure pour mettre un peu de végétation dans tout ce orange. Le rond blanc qui est tout autour, c'est le rayon d'accès joueur pour le moment, en gros. Derrière ça, vous pouvez pas avoir accès pour la raison suivante qu'on a, c'est le fameux bloc 166, le bloc barrière, qui n'est pas visible en temps normal, mais voilà, tout le long, sur une certaine hauteur. Bon, après, si vous flyez, vous pouvez traverser, mais ça sert à rien car le monde est plat. Sachant que si vous vous connectez maintenant là, sur le serveur, vous allez tomber dans une nappe survie. Mais si vous voulez vous amuser pour le moment, vous pouvez faire de la survie basique. Donc, notre petite vache toujours présente. On lui fait un petit bisou. Pour ce qui est ceux qui s'interrogent donc des autres maps, là pour le moment elles y sont pas sur le serveur. Il y a une variation de lumière là. Elles seront de nouveau sur le serveur dans un futur, hein. De toute façon je ne les perdrai pas. Il faut que je les enregistre sur une clé USB, surtout notre map principale qui date depuis un bon moment et il vaut mieux qu'on la garde bien au propre pour être sûr de pouvoir un jour. Si on a envie la remettre pour nous dire bah voilà, ça c'était notre ancien spawn. Donc là je vois bien des îlots séparateurs parce que sinon c'est moche. Moi ça fait trop de. Donc ce que j'appelle îlot, c'est ces genres de choses là comme ça là un peu. Voilà. Donc les commandes que j'ai utilisées jusqu'à présent, alors il y a eu des slash slash set pour remplir, des slash slash replace pour remplacer certains cubes. Une commande que je me servais pas avant, bon bah les rotates, les copies, ça file R. Donc ça remplit tout ce qu'il y a dans une zone par exemple, du moins dans une zone libre par exemple, je me mets petit exemple avant que je recut, voilà. Hop là, on fait un fil R. Ça accorde le temps. Et voilà, ça remplit toute la zone du bloc choisi. Donc là, pour le gaz, c'est la clé orange. J'espère.
J'espère qu'elle rend. En fait, j'ai même pas regardé avec le pack de base si ça rendait bien. Car moi, je joue avec un pack en permanence et c'est vrai que j'oublie de savoir si les joueurs sont en pack. Ça va m'éclater les yeux, ça va être magnifique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, ça fait du marron quoi. Le vert est dégueulasse. La laine par contre, alors là au niveau écriture, oh, on voit bien pour Apex me serveur, bim. L'eau est sale et. Ouais, brown. C'est vrai que j'apprécie beaucoup plus mon brown à moi. Light. Okay. Ils ont qu'à mettre les vidéos textures pour me faire chier. C'est vrai, bon, ça fait chemin, mais bon, c'est vrai que c'est pas trop trop le top. C'est pas très très. Ouais, voilà, bon, bah, de toute façon, comme j'ai dit, hein, que ça soit orange ou marron, dans tous les cas, bon, on va remettre vite fait mon pack parce que même les boutons d'interface ils sont moches. Franchement, Minecraft, il pourrait nous sortir un petit pack de textures un peu plus naturel, ça serait sympa, du moins, voilà. Même ça tourne sans trop trop de problèmes. Bon, j'ai Optifine quand même parce que mon PC n'est pas non plus une bête de course. Là, je suis quand même. Voilà, ça tourne. C'est pas un très gros pack, c'est un 32 et puis ça rend bien. Après, niveau luminosité, c'est pas trop le top. Hein. Comme si j'avais rien fait. Alors, bon, bah, je vais vous laisser, je vais réfléchir pour mes îlots, et puis après, bah, on va commencer par les îlots des angles, là, qui vont être un peu plus longs. Et puis après, bah, je vais record au moment où je commence les îlots, d'une façon, du moins que j'ai trouvé une forme d'îlot, sympathique. Et on va commencer par le copy, ou le slash copy, etc. Sinon, donc, on aura jeu, donc, on aura un paintball, on aura. Sûrement bah, le free PVP. Hop. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? On aura zone mini-jeu. Et le acide Island. Free PVP. En gros, ça fait tir. Free PVP composé de Skywars et un free PVP, je suppose. J'ai dit quoi déjà? Je sais même plus ce que j'ai dit. Mini-jeu. Voilà, donc toute une zone de mini-jeu, Spliff, TNT, Run, machin et compagnie. Et Acid Island, donc donc ça nous fait PVP survie. Survie modifiée. Hein. Paintball amusement. Et des petits jeux. Et puis bah là après on va voir là, ce que je vais mettre, je mettrai là, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout du tout. Bon allez, sur ce, je vous reprends juste après. Hop, donc voilà, je pense prendre à peu près cette forme, donc ça prend pas trop longtemps que ce que j'ai fait. Après, on va utiliser donc la petite commande. Donc j'ai mis 50, là on est à moins de 50, donc 15. On sait que l'herbe ça nous fait 2, voilà, et ça nous remplit toutes nos zones d'herbe. Donc voilà, et ça nous fait un petit changement, petite variation. On va pouvoir y mettre des petits arbres ou des petits décors sympathiques en rapport avec la zone. Par exemple, si c'est le côté PVP, ça va être un peu plus des arbres détruits. Là, si c'est paintball, bah, ça va être de la neige sûrement, avec sûrement un petit bonhomme de neige et tout à côté. Là, on va pouvoir s'amuser. Si c'est de l'acide Island, bah, on va pouvoir faire un petit îlot d'eau et tout, du moins on peut voir. Donc, j'ai quand même fait un truc assez symétrique. C'est rare que je fais des trucs symétriques, mais pour un spawn, je me suis dit, il faut que ça soit ordonné quand même, donc on va faire du symétrique. Après bon là, 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 bon. Donc voilà, donc la petite commande pour ce que je vais un peu. Donc ça s'appelle slash fill R pour remplir un rayon, le cube et le rayon que vous voulez remplir. Ça marche avec l'eau aussi. Si vous voulez pas faire un fix water.
Donc très sympa. Donc maintenant qu'on a ça, on va prendre. Je vais vous visualiser un carré. Voilà. Donc Word est une sélection. Donc là, pour ceux qui voient pas le carré, je vais faire une commande très très simple. Donc walls 35, c'est pour la laine. Et donc là, vous voyez que la sélection de mon carré. On voit que là-bas, j'ai pris un peu plus large. Slash slash undo pour enlever ma connerie. Donc là-bas, par exemple, j'ai pris un peu plus large, mais tout est sélectionné. Et donc là, on va faire un copy. Mais pour éviter que ça soit le caca, on va faire un copy à partir d'un repère. Donc là, je suis loin parce que moi ça marche, mais normalement vous le faites assez près. Slash slash copy. Parce que j'ai un repère fixe et je sais que ce point-là, je l'ai de partout sur chaque angle. C'est du moins obligatoire, c'est voilà, comme ça c'est tout symétrique. Par contre, j'ai fait une connerie, voilà, j'ai oublié d'effacer celui-là. C'est pas obligatoire, mais c'est pour moi, c'est pour éviter de me faire chier à casser trois autres blocs comme ça. C'est juste de la rapidité, je préfère taper deux fois la commande. Après, donc on fait une rotation de 90. Donc 90 degrés. Ça devrait arriver là-bas normalement. Après ça, il faut savoir nord ou sud-est où c'est sur votre map. Sinon, je peux pas vous aider. Et quand on fait passe, boum, ça apparaît devant nous. Ok. Hop là. Si vous faites passe, il va apparaître de ce côté. Donc ça sert à rien. Vous refaites un rotate 90. Autrement dit, ça nous fait 180. Passe. Voilà. Et on refait la même. Donc WordEdit est quand même un outil assez badass en total. Plus je m'en sers et plus j'ai des utilités un peu plus importantes. Voilà toute la bordure là que la vache que j'avais été carrée, hein, le dessous de ma vache, car j'ai repris mon ancien spawn. Évidemment, je me suis pas remis à la refaire tout de suite. Là, c'était tout carré, donc j'ai dû tout refaire ça. Le sol, c'est un coup de WordEdit, boum, c'est tout fait. Voilà, c'est vrai que c'est très très rapide, très très utile. Même c'est WordEdit hein, pour copier-coller les trucs schématiques, les récupérer d'un truc ou d'un autre. La schématique, on en parlera un peu après. Par exemple, si vous voulez, je peux vous faire popper une arène, mais je vais pas le faire tout de suite. Mais si je fais slash schématique, hop, un H, schématique, liste, j'ai donc une arène de. Les paintballs, parce que j'ai sauvegardé nos maps paintball, parce qu'il y a quelques paintballs que j'ai envie de récupérer, comme le Nether est pas trop mal. Après, on va les modifier quand même pas mal, parce qu'ils ont quand même des défauts. Pour le grand public, ils ont quand même des défauts. Du moins, si j'arrive à peu près 10 joueurs dans une soirée, ça a quand même pas mal de défauts. Après, on croise les doigts, mes chers amis. J'espère arriver un jour à plus de 10 joueurs sur mon serveur. Surtout quand on s'en donne la peine. Depuis 3 ans, on s'en est bien donné la peine. Voilà, les îlots. Nous allons faire, tout le temps que je suis avec vous, hop, un peu de décor. Alors là, comme ça. Par contre, il faut que je sache ce que je vais faire. Alors, attends, parce que. Un problème de respiration. Vais mourir. Non. Sinon, sans rigoler, les panneaux. Where is panneau? Signe. Mec, where is the signe? Mettre les paintballs là-bas. Paintball sera là-bas, donc ça a un rapport avec la neige. Je suis posé sur quoi sur le verre. Là, ça va être les gros trucs. Free PVP. Voilà, comme ça, on va c'est des petits points. Repère pour moi et mes autres administrateurs. Que je réfléchisse. J'avais dit quoi? Acid Island. Sky. Et maintenant, Acid Island. Je crois que ça s'écrit comme ça, je sais plus, mais pas grave.
Pas grave, je suis une merde en orthographe et je l'avoue. Et mini-games, mini-jeux. 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 Je pense à un truc un peu coloré, genre plein de mèmes de couleurs et tout. On va pouvoir, ouais, faire un truc sympa. Alors, donc on va commencer le paintball. Je sais pas si juste là je fais quand même un truc un peu naturel, basique, et que ça soit vraiment que là-bas. Par exemple, le paintball, donc on peut. On peut. Voilà, tac, alors, Snow c'est 80. Hop, hop, on va refaire notre petit carré au-dessus, tac. C'est magique. Commande, slash, slash, replace. 2, qui est la grâce, l'herbe en gros. Par 80, hop, hop, on a un petit terrain de neige. C'est mignon. Après, qu'est-ce que vous trouvez souvent? Voilà, dans la logique, dans les biomes neige. Nuages, j'en ai pas vu. Biome frozen, je sais plus trop quoi. De la glace et de la glace compactée. Hop, on va prendre un poker snow. Normalement, il doit y avoir de la glace compactée. Je sais pas où ils ont foutu. Paquet de glace pour un pic. Ou un truc représentant. Et pour faire des dénivelés de neige. Alors, on va commencer par les gros cubes. Voilà, on va faire un petit peu de relief. Hop. Tac. Voilà, c'est pas trop mal. Donc, hop. Voilà, donc là on a le gros relief. On va en rajouter un peu là. Gros relief au cube, hein, parce que la neige, l'avantage c'est qu'on peut faire vraiment. Hop, donc une paquet de glace. J'avais fait une map un peu paintball dans le même type. Voilà. Et puis là, avec la neige, on va faire les rebords un peu plus. On va mettre du relief un peu plus important. Que ça soit pas tout pareil. Hop, hop. Donc je peux aussi faire la commande slash snow si j'ai pas de bêtises, ce qui permet donc d'avoir. Hop, on peut pas en mettre sur la glace, mais sur un paquet de glace. Hop, qui peut permettre d'avoir. Je cherche mes mots en même temps. Hop, un cercle, un radius. Un cercle d'un certain rayon, ce chenou, je crois. Voilà, autour du truc et qui recouvre entièrement ce qui peut être recouvert. Par contre, qui annule les couches et les surcouches. Alors, j'ai quand même envie de rester sur un truc structuré limite. Du moins limite propre, donc on va quand même laisser la limitation du petit truc. Après le sol, donc sur l'eau ça fait de la glace, par contre il faut faire attention à l'utilisation. Voilà, j'étais vraiment juste, un peu coup de chance quelque part. Pourquoi pas, on le laisserait comme ça, c'est pas mal, on verra. Hop, on va refaire nos petits monticules de neige là, parce qu'il y en a qui ont perdu. Hop, hop, hop. Alors le souci c'est que ça prend pas mal de temps à faire des dénivelés. Parce que c'est long là, c'est à peu près plus de 12 plaques pour monter un cube, je sais plus. Un truc dans ce genre là, donc très vite. Par contre c'est très sympa, j'avais vu un lit fait avec la neige, je crois que je l'avais fait sur mon serveur du reste, d'un youtubeur qui avait fait un lit avec les plaques de neige, ce qui permettait donc de pouvoir avoir un petit effet très agréable au niveau du style, que ça faisait bien le coussin. Parenthèse fermée. Hop, hop, hop. Nickel. Donc, bon, hormis le sol je pense que ça disparaîtra parce que ça fait pas trop trop beau pour le moment, on verra. On verra ce qu'on mettra. Donc ça par exemple c'est sympa, voilà, ça fait faire des petits îlots comme ça. Et du temps que j'y suis, que je continue cet endroit. Hop. Le centre par rapport à ça, c'est ça, on va prendre ça. Voilà, ici.
Parce que je vais faire une symétrie encore. J'aime bien les symétries. Je vais vous faire chier avec ça aujourd'hui. Vous faire chier. Bon, je vous retrouve juste après que vous puissiez découvrir ce que je vais faire sur ces bordures. À toutes. Bon, nous revoilà donc. Voici ce que j'ai construit. Donc, deux bonhommes de neige. Là, on va arrondir les angles gentiment à la main, évidemment. Et même ici. Hop, on va partir à peu près du mi-point. Donc, leur base de fixation des cales renfoncement et on va commencer gentiment donc on enlève ça, ne vous inquiétez pas que ça soit bleu dessous. Hop. 1, 2, 3, 2, 2, 2. Ah, c'est déjà. On peut déjà se permettre. Et on va enlever tout ça pour refaire une petite commande pour remettre la neige ici. Hop, c'est pas non plus très très arrondi, mais on a cassé légèrement. Hop, 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 hop. Dans un 15 secondes, c'est tout rempli. Voilà, donc par contre, après les ongles, il faudra qu'on les arrondisse à peu près tous de la même forme parce que sinon ça va partir en cacahuète et ça sera moche. Vu que tout est symétrique. Donc voilà, donc on a un bonhomme de neige à chapeau haute forme et un bonhomme de neige entre la chapka et le casque de comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot du casque. C'est le casque de. Bon, bah, luge, hein, mais j'ai perdu le mot exact. Ça me reviendra. Ça me reviendra. Putain, c'est un sport connu pourtant. Dans Rasta Rocket en plus. Bah, bref, on s'en fout. Même si ça me fait chier. Donc là, on va leur faire une main en bois. Parce que sans main, ils sont un peu. Donc j'ai commencé vraiment mieux. Oui. Ils sont un peu perdus, les pauvres. Voilà, facilement. Ok. Non, attends, je suis bête, comme ils sont plus gros. Parce que j'avais fait un vieux bonhomme de dés, j'ai longtemps. Donc on va mettre du bois au centre. Tac. Tac, voilà, un peu plus grosse, mais on va l'agrandir, ne vous inquiétez pas pour le pauvre bonhomme de neige. Il va pas dead avec. Bon, il va pas rester avec une petite main comme ça. Hein. Ça serait méchant. Et donc, au bout de leur main, on va essayer de mettre une bannière. Alors, je suis pas professionnel de l'écriture en 3D, moi. Loin de là. Voilà. Ouais. Ouais, on pourrait même la faire un peu plus grande. Il faudrait qu'elle parte par là-bas, ça c'est impossible. Mais impossible n'est pas français, mon cher Louis. Oui, bon, c'est bon, on a un tabouche. Attends, mais c'est grave. J'arrive plus à me souvenir du nom de la luge qui dévale les pentes en hiver là. Je suis grave. Ça craint. Ah, ça me dérange quand même, j'ai cherché ça. Bon, si je mets sport d'hiver en mode divers choses. Hop, 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 attends, on va retrouver ça parce que là je vais me taper le crâne. Snowboard? Non. Le
Je m'en ai bientôt. En plus, je les lis tous là. Ok, nanana. Mais ça, comment ça s'appelle? Ah, voilà, bobsleigh. Oh putain, j'avais oublié ça. Le bobsleigh. Bref, bon, voilà, maintenant que j'ai retrouvé ça, que vous avez dû gueuler dans les commentaires, c'est le bobsleigh, c'est le bobsleigh. Putain, je me rappelle même plus que ça s'appelle comme ça. Je suis grave. Alors ça sera pas marqué paintball vu que comme vous pouvez remarquer la banderole va être assez courte. Ça sera marqué PB. Pas de problème, PB. Apple Ristus. Donc on va quand même Bedrock, oui bien sûr. Tic 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 tic. Donc en sachant que j'ai envie de faire une banderole qui a un arrondi très léger. Hop, mais qui monte petit à petit. Ça va être vraiment qu'est-ce qu'il y a à faire, chien. On va peut-être pas exagérer, on va peut-être pas monter la tour de piste non plus. Tac. Mais pas mal. Donc j'ai commencé où? En dessous du doigt. Ok. Comme ça, direct. Après j'ai fait deux. Bon, alors pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez passer à la prochaine étape. Si on a une prochaine, je suis même pas convaincu que je pourrais en faire une prochaine. Vu le temps de la vidéo. Voilà, même une banderole, par contre, je vois mal comment une PB va rentrer dedans, mais c'est pas grave. Hop, on peut faire les bâtons bien plus haut, ça y a pas de problème. Ah, ah, ah. Et puis comme on va faire une banderole sympathique, on va la durcir en dessous. La 3D dans Minecraft des fois est très dégueulasse parce que on peut pas faire ce qu'on veut. Hop, on va écrire ça en rouge et en bleu. Pourquoi rouge et bleu? Parce que c'est tout simplement les deux couleurs. Alors, comme j'ai envie. Hop. Voilà, on fait de 5 de haut. Hop. Noir, noir. Bleu. Noir. Bleu. Ici. Noir. Noir. Bleu. Noir. Noir, noir, noir. Schwarz, 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 schwarz. On peut se permettre de faire ça, mon chat russe. P. Il est pas si grand en fait. Ça fait trop ratatiner par rapport à la grandeur de notre serveur. C'est déjà mieux, mais en fait c'est la base qui me gêne. Voilà, c'est la taille du P qui me gênait. Donc on reprend, on va laisser donc ces deux-là ouverts, B. Hop, hop. Alors B là ça va être un peu plus casse bonbon à faire. Vu que vu que déjà je suis fail. Comment je fais ça? Ah oui, je suis bête. Je suis bête. B. Alors là, on a la tige du B. Je sais pas si vous la voyez. Je rigole. Hop, là, ça sera tout noir obligatoirement. Ici aussi. J'aime le noir. Ou pas. Ça va être assez bizarre, hein. Je sens que ça va être à refaire. Mais on verra ça dans un futur. Je fais une sorte d'autre tige, je fais un 8, je mets un truc là, ici, donc ça fait un 8. Ça, c'est tout à fait normal, jusqu'à là, il n'y a rien qui me choque, parce que j'enlève ces deux-là, et boum, ça nous fait un B tout le ratatiné. Hop, donc on va l'agrandir. On va faire juste le ventre du B un peu plus gros en bas, et c'est tout, hein.
De quoi? B. C'est dégueulasse. C'est absolument immonde. Ceci n'est pas un B. Voilà, ça sera un PO, ok? Ça peut pas cher. Loris ne sait pas faire de B. Non, en fait, la 3D est très compliquée. Donc je galère un peu, je crois que je vais vous reprendre un peu, parce que ça sert à rien que vous me voyez en train de réfléchir, réfléchir. Bah, il est là le B, on le voit, il est beau le B. On voit bien, sauf qu'une fois que je rajoute les couleurs, bah ça fait moche. C'est tout. Ah, ça fait un D, déjà pas mal. Je sais que ce qui va bugger en fait, c'est ça. Si je fais ça comme ça. Ça me rendra peut-être un truc un peu mieux parce que je peux m'allonger légèrement. Plus. C'est quand même à se tirer un peu les cheveux. Hein. Parce que là, si je fais ça et que je vous mets ça là. Le B, je sais pas si vous le voyez. Et je noircis ça, ça revient au même que tout à l'heure. PA, pas PB. Je sens que ça va être long et pénible à faire un B. Parce que moi, le B, c'est simple. 1, 2, 3. 1, hop, 1, 1, 2. Hop. Hop, 1, 2, 3. Hop, 1, ouais, moi je suis sur une base beaucoup plus grande, quoi. Et bim, ça c'est un B. On est sur une hauteur de 3, 6, 7. Et non 3D. On est sur 7 là aussi. Non. 7, ouais, mais. Et 4 en longueur. Que là, on est sur 3. Et bah, je vous dis à toutes. Bon, bah voilà. Donc, après quand même d'amples réflexions et de comment je vais le faire, on se trouve sur un truc pas trop mal. Un peu enfantin, mais. C'est comme je vous ai dit, c'est assez dur de faire des trucs en relief comme ça 3D. Le tout, c'est que vous comprenez. De toute façon, les bonhommes de neige, vous comprendrez très très bien ce que c'est. Et qu'on arrive d'y voir de. Après, je pense pas que sur tous, on va avoir spécialement un titre comme ça parce que. Chaud. Chaud, 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 parce que. Comment dire? Par exemple, oui, c'est écrire le game, mais bon, déjà pour 3 lettres, pour 2 lettres, ça rend non pas 10 centimètres. Game, ça fait G-A-M-E. Pour moins de ça fait quand même une grosse surface. Acid Island, on peut mettre AC, AI, mais bon, pire des cas. Hein. Après, PVP, oui, c'est possible, 3 lettres encore, ça, c'est pas trop méchant. Bon, là, c'est surtout que si j'avais la. Comment ça s'appelle? L'obligation de faire entreprise entre les deux mains des bonhommes de neige. Hein. Si je comprends un grand truc, c'est un peu plus simple. Mais au total, je suis quand même un peu content de ce que j'ai fait, car ça rend pas trop mal. Bon, alors, on va reprendre de la glace et de la paquette de glace là. Et on va faire un chemin. Alors, bah, c'est 179. Donc, de toute façon, en fait. Le chemin, on va le faire à l'arrache. Ah, putain, j'ai du truc bleu. Voilà. Hop, 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 comme ça. Voilà.
Ça va vers le couteau, tac, tac. Hop là, et alors là par contre c'est pas un peu qui arrête, on s'en fout. On va mettre des petits trous à droite à gauche. Pour que ça soit un peu moins. Même si vous avez vu comment j'ai fait. Ça soit un peu moins genre. Comment dire? Bizarre. On va faire un petit changement de sol. 7, 13. Voilà. Ça sera un rendu légèrement différent comme ça. Ah, c'est juste pour le fun que je vais rajouter ces petits trous. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Car mon but était surtout, je vous ai dit que c'était 76. Hop là, 0 par 76. En gros, j'enlève tout clair là dans. Merde, c'est pas 76 du tout. 79, tarala, ongo. Voilà. Et j'aurais pu être encore un peu plus intelligent. Je vais vous montrer une commande comme ça, 174. Slash slash window. Alors, slash slash remplace 0 par 75% de 79 et virgule 25% pour faire la pourcentage complet de 179. Je crois que c'était ça. Non, c'était pas ça. En plus, je me suis trompé 174. Je me suis trompé aux deux majeurs complètement. Donc 174 et 79 pourtant. Qu'est-ce que j'ai mis? 79. Bah, il est bien le 79, non? J'ai mis 19. 79 et 174. Slash slash 1, 2. Non. Et on a la commande que je viens de faire. Voilà. Donc aléatoirement, ça va vous poser dans l'air quelques pourcentages de plus de blocs. Vraiment aléatoirement, donc des fois ça va un rendu. Voilà, comme ça vous êtes sûr que c'est pas fait à la mienne. Donc sinon, à quoi ça sert ça? C'est juste que vous allez arriver là. Hop, ici c'est sympa. Hop, hop, priori, ça serait ça. Pour le moment, je mets assez grand quand même, on sait jamais. Bim. Ouais, non, d'accord. Là, ça c'est coupé. En effet quand même que c'est tenu par quelque chose, on met ça. On va mettre même de partout. C'est sympa, c'est stylé. Et là on aura les planches d'affichage. On a envie de faire un creux. On verra ça dans un futur, on s'en fout un peu. Les planches d'affichage des maps pour rejoindre le paintball et compagnie. Alors, ça sera installé. Donc, bon, après, bien sûr, là, il faut que je fasse l'alimentation, il faut que je fasse tout ce qui est arrière. Mais depuis ce matin, 11 h à peu près,
Il est déjà 15h, donc ça fait à peu près 4h que je joue, à 4h30, 5h bientôt. J'ai déjà énormément avancé en sachant que je fais la réinstallation du serveur qui a pris un bon moment aussi. Qui a pris facilement 2h. Donc en 3h de bulle, on peut avancer très très vite avec World Edit. Là j'ai envie de dire, hein, je pourrais même déjà lancer le paintball activé, j'ai juste à mettre les maps et les mecs ils vont pouvoir déjà commencer à venir jouer. On va pas faire ça tout de suite. Voilà ce que ça pourrait donner. Moi pour le moment ça me plaît pas trop trop mal. Bah, vu que c'est moi qui l'ai fait donc je peux me dire oh non ça me plaît pas. Mais sur ce, je vais vous laisser, sinon la vidéo va durer trop trop longtemps pour vous. Déjà que ça doit être facilement presque 30 minutes passées. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous et salut à toutes. C'était Malorise 2 sur XME Server Fun.